Je cherche un chariot. Oh, 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 il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bailliages. Mais vous fâchez pas. Pas marqué dessus qu'il est à vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde! Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher. Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises. Bon, ben, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non, mais permettez. Ce monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire. Enfin quoi, merde, je fais 10 km pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non, mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez, venez. Venez! Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux. Judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. T'aider. Je suis arrivé à contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Oh là 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 là.